Coucou les amis, nous voici lundi 13 janvier, je suis super méga en retard pour les énergies du matin, c'est ma faute, je me suis mal, comment on peut dire, organisée, ce matin c'est du grand n'importe quoi, donc on y va, voilà tout simplement, je suis un petit peu à l'arrache ce matin, mais c'est pas grave, on va y arriver. Et puis en plus, ma connexion n'est pas forcément très bonne. Mais vous allez avoir la vidéo dans la matinée. Allez, on y va. Les énergies de ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Et que tout va bien pour vous. Un bon week-end, j'espère. Hein. Et si on nous parle de rêve, de changement. Alors, et soit d'une femme, si on est une femme, soit éventuellement la femme la plus proche de nous. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va réaliser un de ces rêves. Il y a des changements qui se mettent enfin en place pour réaliser ses rêves par rapport à une femme. Donc, soit par rapport à une femme, soit si vous êtes une femme, à vous-même. Les rêves aussi, attention, pourraient être des cauchemars. Hein. On le voit ici, hein, il y a des serpents, il y a des trucs qui ne sont pas cool. Attention à ces cauchemars qui ne prennent... Enfin, laissez-les pas prendre vie, en fait, tout simplement. Ou alors, on peut les transformer pour que ces cauchemars deviennent des rêves, pour aller vers le changement. On va en remettre trois. Alors, ici, on nous parle d'argent. Donc, pour moi, d'abondance, pas forcément que d'argent. Donc, peut-être quelque chose qui est lié, un nouveau projet qui est lié, un rêve en tout cas, qui est lié à l'argent. Donc, peut-être un nouveau travail, une augmentation. Pourquoi pas se lancer dans une entreprise hein, aussi, voilà. Mais on a l'enfermement. Peut-être on n'ose pas aujourd'hui, mais il va falloir sortir de cet enfermement. Il va falloir enfin y aller et enfin ôter notre bouclier. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on vous demande clairement de tourner la roue du changement, d'y aller parce qu'il y a une opportunité et qu'il va falloir sortir de ces deux énergies-là, hein, le bouclier et l'enfermement. Je vais aller mettre une carte sur l'enfermement. Le retard. Alors, des choses qui ont pris du retard peut-être peuvent vous frustrer. Soyez pas frustrés si les choses prennent du retard. C'est que ça doit être ainsi. L'univers nous envoie les bonnes choses au bon moment. Donc, prenez-le pas mal. Vous recroquevillez pas sur vous-même. Soyez pas négatif. On va aller mettre une carte sur le bouclier. Et on a le temps. Hein. On a le retard et le temps. Oui, les choses vont prendre du temps. Vont avoir pris du retard, mais surtout, ne soyez pas dans cette protection ou dans cet enfermement, parce que les choses vont se décanter. On voit, il y a l'argent, donc l'abondance hein, qui est là, les rêves qui se réalisent, il y a un changement qui arrive, hein. Donc laissez-vous porter. Voilà les amis, le petit message du jour. Je vais aller voir pour le domaine sentimental avec la Métis Love. Alors, on va faire pour les couples dans un premier temps. J'ai mes chats qui font le bazar. C'est loin n'importe quoi. Salem. Désolée. Alors, pour les couples. Ah, j'ai une première carte qui a sauté. Alors, pour les couples, il y a possibilité aujourd'hui d'avoir des doutes. Peut-être des remises en question. Peut-être des choses qu'on apprend aussi sur l'autre. Enfin, en tout cas, on se pose pas mal de questions dans son couple. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien d'être avec cette personne? Vous prenez du recul, vous réfléchissez sur les choses. Alors, ça parlera pas à tous les couples, hein, bien évidemment. Hein, ça reste général. Hein, mais pourquoi pas? Vous vous posez des questions, il y a des doutes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont... qui sont arrivés dans votre vie et qui vous font vous poser des questions, je ne sais pas. En tout cas, il y a des doutes, il y a des prises de recul pour certains couples et de la réflexion. Pour les célibataires. Ah, pour les célibataires, on parle de liaison secrète. Il y a des secrets. Une vie double. Peut-être on est dans une triangulaire pour les célibataires. Pour ceux qui ne sont pas en couple. En tout cas, peut-être on aime quelqu'un aussi en secret, les célibataires. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de dire les choses. Voilà. Peut-être qu'on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un en secret et qu'il est temps de dévoiler ses sentiments.
Voilà pour nos amis célibataires. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition pour un petit peu avoir un message pour cette journée. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait le rêve. Peut-être qu'il est temps que le rêve devienne réalité, qu'il change. Hein. Il est temps que le rêve devienne réalité. Donc là, on vous dit bien, hein, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est temps de vous affirmer, de dire les choses. Donc voilà les amis, le petit conseil, il est temps de sortir de vos rêves et enfin les réaliser. On va aller tirer une petite carte de l'univers est à vous. Alors l'univers est à vous, c'est celui-ci. C'est un petit message, on va aller voir. Allez, on va aller voir un petit message de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi en commentaire si vous avez passé un bon week-end, une belle nuit. Ah, ben, on a le petit message qui a sauté. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc voilà, il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Ma vérité, effectivement, puisqu'on sort du rêve, hein, donc là, on reprend une place dans la vérité, dans la réalité des choses. Donc... vraiment, en tout cas, pour ceux qui ont des projets, ceux qui ont des rêves, qui, en tout cas, c'est des projets qui sont encore en maturation, il est temps de les lancer, il est temps d'y aller, il est temps de les exporter et de enfin les concrétiser. Du moins, d'essayer. On va aller prendre un petit vœu de nos anges. Allez, un petit message, vœu de nos anges. Là, on vous demande vraiment aujourd'hui de sortir de votre rêverie et d'enfin vous affirmer et peut-être aussi enfin oser. Ton âme effectue de nombreux voyages, sois à l'écoute de ta sagesse, de sa sagesse, pardon. Ton âme effectue de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. Ici, clairement, on est encore en train de vous dire d'être à l'écoute de vous-même, hein. Allez, on y va pour la réponse angélique, comme tous les matins. Je vous laisse vous poser une petite question et puis les anges vont vous répondre oui, non, peut-être, lundi, la semaine prochaine. Ils vont vous donner un petit peu une indication par rapport à la question que vous vous posez. D'accord ? Allez, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause. N'hésitez pas. J'ai vraiment une tête toute blanche, hein. Faut vraiment que je m'achète une lumière exprès parce que c'est catastrophique. Allez, vous y êtes? Allez, j'y vais, hein. Attendez parce que tout mélangé. On se pose la question. Alors, on nous parle de grands changements positifs. Donc, ça tire plutôt vers le oui, votre réponse. De grands changements positifs. Donc ici, la réponse de ce matin est oui. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous faire des gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Pourquoi pas? Moi, ça me permet de m'améliorer. Et puis surtout, partagez les amis et puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous remercie encore. Bye !